Quoi de neuf Covid ? Quoi de neuf Covid ? Quoi de neuf Covid ? تابعوا معنا كل يوم معلومات تخص مستجدات الكوفيد على الحياة FM. مستمعي الحياة FM مرحبا بكم في هذا الموعد الجديد والمتجدد في بوان كوفيد. بوان كوفيد اليوم سعيد باستقبال سيد مدير مكتب الأوميس بتونس مسيو إيف سوتران ومعه ضيوفنا الكرام الأعزاء سيد محمد رويس سيد مدير جهوي للصحة والدكتور حبيب عمارة سيد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجوية للصحة. مرحبا بكم بإذاعة الحياة FM وفرصة اليوم باش تاخذها إذاعة الحياة FM بتواجد سيد مدير مكتب الأوميس بالقيروان واللي زار القيروان ونشكروه على هذه الزيارة ونحبوا نحكيوا معاه شنو لقاه في القروان؟ اش كانت الصورة اللي كانت عنده قبل ما يجي القروان؟ شنو لقاه والشاف في مدينة القيروان؟ وشنو الأوميس كسك ماذا يمكن لها أن تمد من يد مساعدة أو ماذا ستمد لجهة القيروان الأوميس سيد مسيو إيف سوتران مرسي سوي لا بيانفينو إيسي شنو أ كيروان إي أن فيت فوز إت شي فو بيانفينو على شين راديو حياة FM. Nous sommes très heureux de vous rencontrer aujourd'hui pour prendre quelques minutes de temps. Je sais que vous êtes pris par d'autres travaux, mais on va essayer de discuter sur un premier point. Vous venez de visiter aujourd'hui Kairouan. Je suis sûr que vous avez une idée avant de venir sur la situation épidémiologique de la région. En venant ici, qu'est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que les choses ont changé ou les choses sont plus dramatiques? Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très, très heureux d'être sur cette radio qui est unique en son genre et qui se consacre à la santé. Et c'est quelque chose qui évidemment, en tant que responsable de l'OMS en Tunisie, est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur de pouvoir m'exprimer sur cette radio. Bien évidemment, en venant à Kairouan aujourd'hui, je viens à Kairouan avec une idée de ce qui se passe en matière d'épidémie à Kairouan. On sait que c'est un des gouvernorats qui souffre aujourd'hui le plus de cette épidémie. Les chiffres sont très clairs là-dessus. Le taux d'incidence est très élevé. Il y a eu 88 décès la semaine dernière dans le gouvernorat. Les taux de positivité sont élevés. On sait que le variant Delta, le variant dont l'origine est l'Inde, circule dans le gouvernorat. Donc on est dans une situation qui est extrêmement préoccupante. Et l'objectif de cette visite, et bien sûr en quelques heures on ne fait pas le tour de toute la question, mais quand même ça m'a permis d'avoir une idée beaucoup plus précise. L'objectif de cette visite c'était de voir quelle était la situation réelle, de pouvoir discuter avec monsieur le directeur régional de la santé, avec monsieur le gouverneur bien sûr que j'ai pu rencontrer tout à l'heure, de la situation à Kairouan avec les équipes, de ce qu'étaient les grands défis auxquels se trouvait confrontée aujourd'hui la région, et puis de voir quelles étaient les réalisations. Parce que j'ai été très impressionné par un certain nombre de réalisations qui ont été mises en place, en particulier dans le domaine de la prise en charge. J'ai eu l'occasion de visiter l'hôpital de campagne qui est déjà mis en place et qui est en extension avec le concours du ministère de la Défense, qui permet de faire face à une situation qui est très préoccupante en nombre de cas, en particulier de cas sévères. Donc la situation est effectivement très, très difficile. Les équipes sont mobilisées 24 heures sur 24, dans un contexte où ces équipes travaillent depuis maintenant plus de 12 mois, jour et nuit, pour faire face à la situation. On a quand même le sentiment qu'on est dans un gouvernorat qui a pris les choses tout à fait au sérieux et qui a mis en place un certain nombre de mesures qui, je l'espère, vont permettre dans les jours qui viennent de faire face à une situation compliquée. Je crois qu'il faut prendre les deux éléments de la... Enfin, il y a plusieurs piliers, mais il y a à la fois le pilier de la prise en charge, qui est aujourd'hui sans doute le plus compliqué parce que le nombre de patients est important, le nombre de patients en réanimation est important, et donc des mesures importantes ont été prises.
Est-ce que ça suffira? Est-ce que l'épidémie va être contrôlée? C'est le défi numéro un, en particulier dans une situation où les ressources humaines sont fatiguées et insuffisamment nombreuses. Et l'autre pôle de la réponse, c'est la réponse, j'allais dire, multisectorielle qui s'est engagée avec le confinement. Alors, le confinement, c'est pas facile pour la population, c'est quelque chose de difficile. Probablement, il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui pour faire face à l'épidémie. Et ce qu'on voit lorsqu'on passe dans les rues de Kérouan, c'est que, bien sûr, on n'a pas une application à 100% d'un confinement. Bien sûr, je crois que ce n'est pas possible d'imaginer une application de 100% d'un confinement, mais je pense que ce qui est en train de se mettre en place et qui permet d'éviter que le virus, et essayer de casser les chaînes de transmission, de faire en sorte que le virus ne se transmette pas d'une personne à une autre, il y aura des effets. Je suis convaincu que les décisions qui ont été prises vont permettre sans doute de casser un petit peu la courbe épidémique. Et si l'enjeu numéro un aujourd'hui dans le gouvernorat, c'est de faire en sorte que le système de santé puisse faire face à la situation, j'espère que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, on aura des nouvelles qui permettront de démontrer en effet que, en cassant la chaîne de transmission, on permet au système de santé de faire face à la situation. Espérant, en fait, effectivement, la situation, comme vous venez de dire, en fait, est quelque part très difficile. Il y a de grands défis en fait qui se présentent devant notre système de santé, particulièrement dans notre façon de prendre en charge nos patients. C'est pas évident. Et j'espère que les choses vont s'améliorer petit à petit. C'est ce que vous venez me dire en fait. Est-ce que la vaccination, quelque part, peut arrêter un peu cette vague ou là? Moi, je pense que la vaccination permettra, bien sûr, de faire face, de contrôler mieux l'épidémie, mais pas demain matin. Et la situation de Kérouan, c'est demain matin, c'est le très court terme. Donc la vaccination, il faut la pousser. Il faut que, et je sais que le gouvernorat de Kérouan n'est pas le gouvernorat le plus avancé en matière de vaccination pour beaucoup de raisons. Hein. La population est peut-être moins, perçoit moins l'importance de la vaccination. Et pourtant, la vaccination, c'est bon pour sa santé, c'est bon pour la santé de son entourage parce qu'on va diminuer le risque de transmission d'une personne à une autre. Et c'est bon pour le système de santé parce que ça va permettre d'éviter des cas sévères, d'éviter les très nombreux cas de personnes qui ont besoin d'hospitalisation, qui ont besoin d'oxygène. Et c'est ça sur lequel il faut miser aujourd'hui. Donc il faut tout faire pour pousser la vaccination. Il faut renforcer les inscriptions sur le système EVAX. Mettre en place ce qui est déjà mis en place dans le gouvernorat, ces équipes mobiles qui permettent d'aller repérer les personnes qui n'ont pas forcément accès aux outils technologiques qui permettent de s'inscrire sur la plateforme EVAX, mais qui sont dans les populations les plus à risque, dans les populations les plus âgées, les populations qui souffrent de pathologies chroniques. Et donc ça, il faut renforcer cet effort. Et puis, si on sort du gouvernorat de Kérouan, le problème auquel se trouve confrontée la Tunisie aujourd'hui, c'est l'offre de vaccins, l'arrivée des vaccins. Ouais. Alors je pense que c'est une situation qui va s'améliorer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la Tunisie a fait des gros efforts. Hein. Je pense qu'il ne faut pas minimiser les efforts de la Tunisie. Aujourd'hui, près de la moitié des personnes de 60 ans en Tunisie ont eu au moins une dose de vaccin. Ouais. C'est un chiffre qu'on n'a pas en tête. Près de la moitié des personnes de plus de 60 ans. Les personnes de plus de 60 ans sont les personnes qui sont vulnérables, oui. Vulnérables, oui. Hein, par rapport au Covid. Donc c'est important. Et il faut continuer parce que ça ne suffit pas. Hein. Ça ne suffit pas. D'abord, c'est qu'une seule dose. Ensuite, il faut que donc ces personnes aient accès à la deuxième dose. Il faut à la fois que tous, quand je dis tous, en particulier nous, OMS et les partenaires de la Tunisie, on fasse en sorte que la Tunisie puisse avoir accès à plus de vaccins et que la Tunisie puisse intensifier sa stratégie de vaccination. Ouais, merci. Et comme bureau de l'OMS en Tunisie, est-ce que vous pensez que vous avez quelque chose à l'impact, votre apport pour devant cette situation dans la région de Kérouan, est-ce que vous pouvez quelque, je ne sais pas, quel type d'apport de l'OMS dans une situation pareille?
Bon, local. Le point d'entrée d'un bureau OMS dans un pays, c'est le ministère de la Santé. Ouais. Donc on travaille avec le ministère de la Santé et on travaille avec le ministère de la Santé qui définit ses priorités. On s'adapte aux priorités de la Tunisie. Dans le cas, je ne vais pas vous donner beaucoup de chiffres, mais je vais en donner juste deux. La Tunisie, le bureau OMS de la Tunisie, dans une année normale, elle apporte 1,5 million de dollars. Son budget, c'est 1,5 million de dollars. Pendant la crise du Covid, on est monté jusqu'à 8,5 millions de dollars, qui sont des budgets qui ont permis à la fois de faire ce qui est le travail habituel de l'OMS, c'est-à-dire appuyer la formation des professionnels dans différents domaines, la prévention de la contamination, former les équipes de réponse rapide qui font le contact, le suivi des contacts des personnes qui sont positives. On a beaucoup appuyé l'Observatoire des maladies nouvelles et émergentes pour son travail de surveillance. On a beaucoup appuyé les laboratoires en achetant des réactifs, en renforçant l'équipement, en finançant des personnels. On a 30 personnes en Tunisie qui sont dans les laboratoires financés par l'OMS. On a acheté des équipements, des extracteurs d'oxygène. Aujourd'hui, la priorité, si le ministère de la Santé demandait, si vous demandiez au ministère de la Santé quelle est la priorité, il répondrait que l'oxygène est une des priorités. Le séquençage des souches virales en est une autre. On finance des équipements, bien évidemment avec un budget qui n'est pas à la hauteur de ce que d'un budget comme celui que pourrait apporter un prêt de la Banque mondiale. Mais voilà, on peut appuyer. Et bien évidemment, notre priorité, c'est de pouvoir répondre aux besoins les plus urgents. Et les besoins les plus urgents sont aujourd'hui dans les régions les plus touchées, en particulier la région de Kairouan. Alors, je ne vais pas m'engager auprès de monsieur le directeur régional de la santé aujourd'hui de lui apporter deux générateurs d'oxygène parce que je n'en ai pas les moyens, mais dans la discussion qu'on va avoir avec le ministère de la Santé, je pense qu'on pourra peut-être avoir un dialogue avec eux, faire en sorte que la région de Kairouan puisse être bénéficiée, qu'il soit priorisée. Merci beaucoup. Sur le plan, maintenant, si on passe sur le plan international, le Covid à l'échelle internationale, et ses germes mi-temps, ainsi de suite, quelle est la situation actuellement? Alors, si on regarde les chiffres actuellement, on est dans une phase au niveau mondial, on a plutôt une baisse des cas, une baisse des décès. Vous savez, c'est très cyclique, hein, mais on est actuellement. Mais avec une inégalité très importante de situation, et en particulier, ce qui est très préoccupant aujourd'hui, c'est le continent africain, où on voit au sud comme au nord une augmentation très forte des cas. En Afrique du Sud, dans les pays de Botswana, l'Ouganda, des augmentations. Et la Tunisie fait partie des pays qui sont très touchés. La Tunisie, en termes de taux de mortalité par le Covid depuis le début de l'épidémie, c'est le numéro 1 sur le continent africain et c'est le numéro 1 sur les pays arabes. Donc c'est vrai, la Tunisie est un pays qui est particulièrement affecté par l'épidémie de Covid. Il n'est pas impossible que ce taux de mortalité si élevé soit aussi lié au fait que la Tunisie est plus transparente et qu'elle n'a pas de réticence à informer sur le nombre de décès, ce qui n'est pas le cas de tous les pays. Ouais. Donc ce chiffre a un côté peut-être un tout petit peu artificiel, mais ça veut dire quand même que c'est un pays qui est très touché. Et le continent africain est un pays très touché. Et ce qui est aujourd'hui la grande préoccupation des autorités de sanitaire et de santé publique au niveau mondial, c'est les variants. Et en particulier, le variant Delta qui a été détecté dans le gouvernorat de Kairouan, qui est un variant qui est beaucoup plus transmissible même que le précédent, c'est-à-dire le variant Alpha qui était le variant britannique, donc qui se diffuse beaucoup plus vite. Sur la sévérité, on n'a pas des données scientifiques suffisantes pour dire qu'il est beaucoup plus sévère, mais on a quand même des données plus anecdotiques qui montrent qu'il est sévère, et puis qu'il est peut-être un tout petit peu moins efficace, mais là encore, pas beaucoup moins vis-à-vis des vaccins. Ouais. C'est la vaccination, en fait, la vaccination qui a été introduite en Tunisie avec cette variante Delta. Il y a une interaction, il n'y a pas une interaction. Est-ce que sans protéger, ils ne sont pas protégés? Je pense que tous les vaccins qui sont utilisés, et donc les 4 vaccins qui sont utilisés en Tunisie, ont tous une efficacité contre les formes sévères et contre les hospitalisations.
Voilà. Et y compris, alors peut-être un peu moins contre le variant Delta que contre la souche originelle ou contre les autres variants, un peu moins, mais suffisamment pour dire que oui, il faut se faire vacciner, oui, c'est important de se faire vacciner, c'est important pour sa santé et pour la santé publique. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Vraiment, on était très ravis de vous voir aujourd'hui ici parmi nous à Kérouan et dans notre chaîne radio. Je vous laisse le mot de parole de fin de notre émission. Je suis ravi, moi, d'être aujourd'hui sur cette radio, qui est une radio, on a eu l'occasion d'en parler tout à l'heure avec vous, monsieur le directeur, qui est une radio qui est sur la santé, mais avec une approche très proche de la conception de l'OMS de la santé. Hein, c'est pas la santé, c'est pas simplement l'absence de maladie ou d'infirmité, c'est un bien-être psychologique, social et physique. Et donc, en travaillant sur ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé, parce que l'état de santé d'une personne, c'est le résultat de différentes composantes. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait original, premièrement. Et je suis très impressionné d'abord par la qualité de vos studios, par vos équipes. Et je pense que le travail que vous faites et que je découvre, et je suis très heureux de le découvrir, c'est quelque chose qui va dans le sens de ce qu'il faut faire pour permettre aux populations de pouvoir avoir une information sur la santé qui ne soit pas une information que médicale, ouais. Qui permette de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire pouvoir être en meilleure santé, qu'est-ce que ça veut dire que de pouvoir agir sur les différents déterminants sociaux de la santé pour pouvoir améliorer la santé. Je pense que ça, c'est tout à fait important. Voilà, c'est une information que j'ai aujourd'hui qui me paraît aller dans le sens de ce qu'il faut faire, avec notamment le besoin d'avoir des spécialistes de la santé, des journalistes spécialisés dans la santé qui puissent apporter une information qui ne soit pas qu'une information anecdotique, parce qu'on manque un petit peu de ça en Tunisie. Donc il y a quelque chose qui est important et nous on sera très heureux de pouvoir collaborer avec votre radio qui démarre à Kérouan, mais qui va certainement pouvoir irriguer l'ensemble de la Tunisie, j'espère au-delà. Merci beaucoup. Effectivement, nous on transmet sur le web, sur la page Facebook. Et merci beaucoup, vraiment, nous étions très heureux de vous voir parmi nous aujourd'hui. Merci, monsieur le directeur régional de la santé. Merci, c'est Habib Amar. Et à très bientôt. Wa shukran, Sayed Al Mustamein. Inch'Allah, ila multaqa qarib, Inch'Allah. Quad 9 Covid. تابعوا معنا كل يوم معلومات تخص مستجدات الكوفيد على الحياة FM.